Tu as passé la nuit où? Tu étais où? Tu étais où, monsieur? Tu as passé la nuit où? Dis-moi même bonjour, non? Il est 12h, bonjour, que je sais que tu sors d'où pour te dire bonjour. Tu as passé la nuit où? Tu étais où? J'avais un problème. Tu es sorti hier à quelle heure? Quelle voiture? Quel problème avec la voiture? La voiture a eu une panne hier dans la nuit. Tu es irresponsable. Tu n'étais pas prêt pour le mariage. Tu exagères. Tu exagères. Mais comment ça? Tu sors hier le matin à 10h, tu reviens aujourd'hui à 12h à la maison. Hein? Tu coupes ton téléphone. Mon téléphone était éteint. Ton téléphone était éteint comment? La voiture était gâtée. Tu es un homme irresponsable. Ton téléphone était éteint. Tu trouves comment m'appeler pour dire que, oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Rien. L'enfant a chauffé toute la nuit. J'ai cherché comment faire pour t'appeler. Donc, l'enfant était malade. L'enfant a chauffé toute la nuit. Hein? L'enfant a chauffé toute la nuit. Ce n'est pas bien, mon père. Tu sais que je n'aime pas me mettre en colère. Je sais que ce n'est pas normal. Je ne dois pas crier. Tu n'es pas mon égal. Hein? Tu es mon mari. Tu es mon grand frère. Tu es mon aîné. C'est irrespectueux de ma part de te crier dessus comme ça. Tu vois, non? L'argent. Ouais. Femme. Donc, c'est pour ça que je m'inquiétais pour toi. C'est parce que je m'inquiétais. Ça ne veut pas si quelque chose t'est arrivé. Donc, c'est pour ça que, ouais, papa, l'enfant a chauffé. Hein? La nuit. C'est juste que j'avais aussi la tontine qui me stresse depuis. Je dois jouer la tontine tout à l'heure. Hein, 200 000, ma tontine que tu connais là. Ouais, mon père, c'est tous les problèmes comme ça là. L'enfant a chauffé toute la nuit. Ouais, mon père, quand tu veux sortir, il faut souvent me dire un peu. Hein, il y a ma mère là-bas que elle a dormi. L'eau est entrée. L'a retrouvée à la maison. Elle m'a appelée. Elle me dit que ma fille, ça m'a fait mal. Ma mère a dormi sous la pluie. Il faut que je cherche comment faire pour réparer le toit de la maison. Tu vois un peu, non, mon père? C'est les choses comme ça qu'ils font. Ouais. Avec les enfants qui grandissent, ils ont la taille comme toi. Les enfants, ils aiment bien sauter sur les enfants. Je vais sortir encore aujourd'hui. Je vais faire 2 jours. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on fait. Tu dis à ta femme, tu sors, non? Il n'y a pas de problème. Tu rentres quand? Je vais faire 2 ou 3 jours. Il n'y a pas de souci. Les habits des enfants ont sauté. Moi-même, ça fait longtemps. Je suis avec les vieux hijabs. Mes habits sont... Donc, c'est tout comme ça que quand je vois mon cœur me fait seulement un jar. Ouais, mon chéri. Je ne refuse pas que tu sortes. Avec les gens qui gâtent seulement les mariages des gens, on te voit, on m'appelle, on me raconte des mensonges. Je sais que tu n'es pas capable de faire des choses comme ça. Femme. Tu sais qu'il ne peut pas faire les choses con. Mais quand il est arrivé, tu n'as pas vu Jay là, tu as commencé à jaffoule sur Moro là. Qu'au bébé, toi, t'as oublié malade, tu l'as appelé, ça passe pas. Toi aussi, ta maman t'a appelé, l'eau est rentrée chez elle à la maison. Maintenant, tu as tontine, ça te stresse. Oui, et puis vous n'avez pas le même statut, donc elle doit pas crier sur toi. Femme. Attends, on peut faire les choses comme ça. Quand tu as vu Jay, seulement ton visage est devenu quelque chose d'autre. Tu as passé de A, tu es arrivé à Y. Tu n'as même pas même commencé à faire B, C, D, non. Vous les femmes, vous n'avez pas d'ambition. Hein. C'est Dieu seulement qui vous intéresse. Ah non, c'est ça.